Nous avons tous en mémoire les images un peu sombres, un peu obscures du film de Jean-Jacques Haneau, Le nom de la rose, l'histoire de cette abbaye au Moyen-Âge. Aujourd'hui, les monastères sont radicalement différents, ils ont évidemment évolué avec leur époque et en particulier avec les progrès de la science et de la médecine. Les pères abbés que j'ai rencontrés pour mon livre Un temps pour mourir sont tous des hommes qui accordent et qui prennent soin de la vie psychologique, de la vie physique des moines qui composent leur abbaye. Le bien-être est au cœur de leurs préoccupations et certes, j'ai pu, lorsque j'ai été en Calcate, parler avec le père abbé, dont David, du suicide d'un des frères, mais j'ai également pu me rendre compte à quel point ce bien-être était fondamental au cœur des préoccupations de tous les pères abbés que j'ai rencontrés.